Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la Dégustabox, mais avant de l'ouvrir, je voudrais vous parler de mon opinion sur la Dégustabox de la rentrée, c'est-à-dire du mois d'août. Donc, c'est parti, je vous montre donc en image ce que j'avais reçu et ce que je pense. Alors, vous voyez, les pâtes Lustre crues. Donc, j'ai testé, goûté. Tout le monde a apprécié. C'était vraiment très bonne. Enfin, des bonnes pâtes, hein, vraiment toutes petites. Voilà, on a tout fini le paquet, on a tout mangé. Donc, c'était vraiment super bon. Donc, là, en note, je donnerais 10 sur 10. Ensuite, nous avions reçu, après la sauce qui allait avec les pâtes, Rivoire et Carré. Pareil, très, très bonne. Très bonne sauce. Ça allait très bien avec les pâtes. Donc là, je donnerais plutôt 9 sur 10. Voilà. Bon, c'était bon, un bon produit. Ensuite, on avait reçu les encas. Voilà. Les petits encas, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'était comme c'est des fruits secs. Voilà. Donc, moi, j'avais reçu, j'avais reçu. Les fruits secs, figues, abricots, raisins secs. Bon, et ceux qui aiment les fruits secs, c'était très bien, petit sachet. Moi, pas trop, mais bon, je donne quand même une bonne note, 7 sur 10. Voilà, bon. Ensuite, on avait reçu les Coco Pops, donc pareil, dans un sachet refermable. 9 sur 10, voilà. Bon, c'est pas nouveau, en fait. C'est pas un nouveau produit. Donc, 9 sur 10. Après, on a vu, ensuite, les capricornes. C'est-à-dire la banane, jus de banane, avec les fruits jaunes. Banane, pomme, en fait, hein. Bon, moi, je donnerais plutôt 7 sur 10. Voilà. Bon. Après, on avait reçu les chips Bretz, avec le sachet qui tient debout. Donc là, je donnerais 9 sur 10. Ensuite, on avait reçu le Kerr Cadillac. Voilà, un cake gâteau marbré chocolat noisette. C'était bon, oui. Là, je donnerais 9 sur 10. Après, on avait eu. Alors, après, on avait eu, je sais pas si vous voyez bien, le Lipton Gris. Ice tea. Donc ça, c'était vraiment très bon, 10 sur 10. Pourtant, je suis pas du tout fan du thé froid, mais j'ai vraiment apprécié. Voilà, le bon goût, non, c'était très bon. Après, on a eu. Alors là, les mamées, j'ai pas encore goûté en fait. Je suis pas trop nubée. Je ferai bientôt, je vous dirai, mais j'ai pas encore goûté. Mais bon, je sais pas trop si je vais aimer. Voilà, et après on avait reçu les Jim Five, un petit sachet, des petits fruits, c'était pomme-banane, et vraiment j'ai beaucoup beaucoup apprécié, ça permet de ne pas craquer sur les bonbons, voilà, on en mange un petit, on fait fondre dans la bouche, c'est vraiment super bon, voilà, donc ça oui, par contre j'ai beaucoup aimé, donc 10 sur 10. Voilà pour aujourd'hui, après on avait eu la recette, mais je ne l'ai pas faite en fait. Parce qu'il n'y avait pas de recette en fait. Voilà, bon, il donne juste un petit exemple pour une bonne rentrée des classes, un bon petit déjeuner. Voilà, donc c'est tout. Mais bon, dans l'ensemble, je suis plutôt contente des produits. Un que j'ai pas goûté, c'est les mamées parce que j'ai pas trop nouilles chinoises, c'est pas trop mon truc. Mais bon, je goûterai à l'occasion et je vous redirai une prochaine vidéo. Voilà, donc maintenant, je vais vous ouvrir la Dégustabox et je vous retrouve à tout de suite. Me revoilà donc avec la Dégustabox qui est vraiment très très lourde. J'espère qu'on va avoir des bonnes découvertes. Alors, nous allons pas tarder à l'ouvrir. Hop, je suis déjà prête. Et voilà. Donc, toujours très bien emballé. Voilà, avec un film plastique à lui pour pas que voilà, ça se casse. Dedans, j'ai un petit bon réduction, mais je regarde pas le menu, je regarde pas parce que moi j'aime l'effet surprise. Toujours avec le petit sachet,
Laissez-vous surprendre, Mandy aussi. Alors, elle est avec moi, hein, Mandy, si jamais il y a des trucs. On est parti pour la découverte. Allez, je prends le premier produit. Stop. Alors, gerblé, galette maïs, saveur olive, herbe de Provence. Ça va être... Je pense que ça va me plaire. On va goûter d'ailleurs. Donc, c'est bien pour goûter. Voilà, c'est... On va goûter. Je m'en dis aussi. Ça sent les herbes de Provence. Alors, ça se présente comme ceci. Des petites galettes de riz. Non, de maïs, pardon. Voilà, on va goûter. Vraiment le goût d'olive et d'herbes de Provence. On dirait même des biscuits apéritifs. Donc en fait, très... Je vois pas clair, moi. 46 calories, donc ça, c'est très bien pour ceux qui veulent perdre du poids. Mon téléphone qui sonne, mais bon, tant pis. Ah si, non, mais... Très bon. Mais bon, j'ai pas mangé parce que j'ai pas très faim et je voudrais goûter... Mais c'est bon, non, c'est pas mauvais. C'est bas, c'est pas bien. Vraiment bon. Donc là, comme ça, on en a 10 sur 10. Ça commence plutôt bien. Ensuite, nous avons du thé bio détox. Hibiscus mélisse feuille de mûrier. La marque Éléphant. Ça a l'air plutôt pas mal. C'est pas mal. Du thé. On va le dire. On va sentir juste parce qu'on ne pourra pas goûter, mais je vous dirai de toute façon ce que je pense. J'adore sentir, ça sent bon. Ça sent vraiment. Ça sent la mûre. Ça sent bon. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Petit sachet de thé. Ça sent très très bon. Donc là, pour l'instant, je peux pas donner une note. Mais bon, comme ça, je donnerai 10 sur 10. Voilà, hibiscus, mélisse, feuille de mûrier. Donc ça, je pense que ça va me plaire. On continue. Allez. Alors, Wonderful, pistache. Ça, j'adore les pistaches en plus. Donc, des pistaches, on va pas les goûter parce que bon, ça sera perdu après parce que... À l'occasion, pour l'apéritif, peut-être ce soir avec mon chéri, on les goûtera. Voilà. Donc, des pistaches. Donc, je pense que c'est. J'avais déjà eu un petit sachet à l'occasion. Je me rappelle un échantillon. Ils étaient vraiment super, super bonnes. Donc là, je donne 10 sur 10. Après, je verrai. De toute façon, je vous dirai, hein, comme je le fais tous les mois. Après, nous avons une bouteille. Compote veloutée. On avait déjà reçu la compote veloutée en grand format. Là, c'est par contre la pomme mangue et passion. Ça, par contre, c'est très intéressant. Ça va me plaire. Mais je ne vais pas l'ouvrir. Ça sera gâché après. Je n'ai pas pu tout le manger. Mais c'est pas mal. Il y en a une deuxième apparemment. Pomme mangue passion. Donc pareil. Deux. Sympa. Ensuite, on a quelque chose de lourd. Alors là, par contre, je vais prendre mes ciseaux. Ce sont des bouteilles, apparemment, la bière. Hein? Ah. Alors, c'est de la bière Henken Premium Quality 0. Ça veut dire quoi ça? 0%? C'est sans alcool apparemment. Voilà, c'est ça. C'est de la bière en fait, sans alcool. Voilà. Donc là, pareil, je ne peux pas goûter parce que c'est pas tellement frais. Moi, j'aime bien boire la bière bien fraîche. Donc, pareil, je vous dirai la prochaine vidéo ce que j'ai pensé. Mais bon. Bon, là, on note, je ne sais pas, je peux rien dire, peut-être 6 sur 10, mais bon, je vous dirai ça. Parce que... Après,
Parfait. Oula, un saucisson. Le saucisson bien élevé. Saucisse sèche la fine et c'est la marque Brocéliande. Sympa. On n'en avait pas en plus, ça tombe bien. On va sentir. On va sentir, j'aime bien sentir l'odeur de saucisson. Ça sent bon. Voilà, un beau petit saucisson. Voilà, le saucisson. Donc, sans antibiotiques. Voilà, donc ça c'est bien. Mandy, elle a bien goûté. Je vous dirai une prochaine vidéo. Hein. Je ne vais pas goûter maintenant. Ah, c'est dommage hein, pour toi. Tu aurais bien goûté. Hein. Bah oui, je sais. On continue. Donc là, on a une boîte. Alors, nouveau, des Mika Maxi Format Tendre Break Cœur Choco. Des gâteaux, la marque Mika. Alors là, on va goûter. Hein. On va goûter. On va goûter. Un petit bout, on va goûter. Donc là, il y en a combien là? Il y en a 10. Des petits, voilà. Petits sachets individuels comme ceci. Nous allons goûter. Ça sent bon, le chocolat. J'adore le chocolat en plus. Ça se présente comme ceci. Voilà. Délicieux. Ouais, c'est très, très bon. Je vais donner un tout petit morceau, mais vraiment un tout petit bout, parce que normalement, les chiens n'ont pas droit au chocolat. Ah si! Tiens. Super bon. Vraiment super bon. Ah oui. Très, très bon. 10 sur 10. Délicieux. Pourrait être une pâte... un peu Nutella, on va dire. Mais vraiment goût de noisette, c'est super bon. Excusez-moi, je pas que la bouche ouverte. En mangeant, c'est pas bien. Alors voilà, donc déjà ça, c'est bien. Donc, Mika. Après, on a des Jordan Country Crips bio, avoine et orge dorée. Ça, je connais pas du tout. Alors ça, par contre, on va regarder, on va goûter. Ça peut être intéressant. Un petit sachet. Bon, même le Mika, hein, je ne connais pas, c'est nouveau. C'est une découverte aussi. Petit cornflake comme ceci. Ouais. C'est bon, ça sera meilleur avec du lait, je pense. Donc, sans huile de palme. Voilà, donc, c'est bio. Avoine et orge dorée. Bon, c'est bon, mais je vais donner 7 sur 10. Je goûterai avec du lait bien frais. Je pense que ça sera meilleur. Voilà, donc, la marque Jordan des Country Crips. Bio, sans huile de palme. Ça, c'est intéressant. On a des bons produits. Et voilà, nous avons fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour, on a encore des produits. Je croyais que c'était lui. On continue. Donc là, Alpro Soja saveur chocolat. Alors ça, c'est sympa, ça. À boire. Donc à boire très frais. Hein. 30% de matière grasse. Donc soja, chocolat. Ça va être sympa à boire, ça. Donc trois petits berlingots. La contenance, c'est 250 ml. Voilà, donc ça, c'est sympa. Non, ça va me plaire. Bon, après, je suis contente, oui, de l'avoir. Donc, on va dire 8 sur 10. Après, au final, on verra bien si c'était bon vraiment ou pas. Mais bon, je pense que oui, parce que j'ai déjà reçu des produits à marque Alpro et j'étais contente. On continue. Ensuite, nous avons de la marque Vitamon. Du jus de carotte. Du jus de carotte. Vitamon, la marque, et c'est du jus de carotte. Alors ça, par contre, c'est pas du tout... il faut boire ça plutôt froid ou chaud, non, plutôt froid. Mais bon, là, c'est pas tellement...
Aujourd'hui, comme il fait chaud, là, aujourd'hui, c'est pas tellement frais, donc c'est une découverte pour moi. Du jus de carotte, je ne sais pas du tout ce que ça va donner quand je vais goûter. Mais pourquoi pas, hein, de toute façon, c'est bon, c'est plein de vitamines. Non, je goûterai, je verrai la note à l'occasion. Ensuite, on continue, on a un deuxième jus de carotte. Voilà, ça donne des fesses roses en plus. Ça rend les gens aimables. Donc là, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, ça c'est bon. Donc, le jus de carotte. Ok, à découvrir. Ensuite, on a le soja au chocolat. Plutôt pas mal. La bière. Ok, bon, ça encore la bière, on connaît, mais on verra bien. Bon, ça par contre, la compote veloutée, donc pomme, mangue et passion. Ça, c'est pareil, c'est une découverte aussi. Les gâteaux délicieux, pareil. C'est bien. Les pistaches, on le fera. Hein. Bon, le gâteau Milka, j'ai pas encore fini, mais je finirai tout à l'heure. Le saucisson, qui est sympa. Franchement bon. Les galettes. Il faut bien regarder le sachet. Donc ça, c'est sympa, ça. Sympa. Avec un petit peu de fromage de chèvre dessus, ça va être exquis, ça. Le thé bio détox, donc ça à goûter aussi, hein, sympa aussi, super. Et les cornflakes, la marque Jordan, donc ça aussi c'est bien. Voilà pour ce mois-là, ce mois-ci. Donc nous allons voir la fiche maintenant. Donc on a reçu 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 produits. Donc, il y en a certains qui sont doubles. Donc, de bière, de compote. Non, c'est super sympa. Vraiment, je suis vraiment très, très contente de ma nouvelle Degusta Box. Je vous marquerai bien sûr, enfin, les prix sont marqués à chaque article, hein, que je vous montre, comme d'habitude. Là-dessus, il y a donc nos recettes fruitées pour bien commencer l'automne avec le jus gourmand orange, carotte et citron. D'accord, donc en fait, 20 centilitres de jus de carotte. J'ai eu quoi? J'ai eu carotte, carotte, non? Il me semble. Carotte et carotte, d'accord. Donc en fait, un mélange de jus de carotte et de jus d'orange et une pointe de jus de citron jaune et une feuille de menthe. Bon, bah, pourquoi pas, on va essayer. Hein. Moi, j'ai du jus d'orange, hein. Plus du citron. On essaiera, on testera. En tout cas, les produits ont l'air vraiment tous bons. Je vous dirai ça à la prochaine vidéo. Donc, la Degusta Box m'a coûté 15,90 €. J'étais la chercher à mon point relais. Voilà, 15,90 €. Je mettrai le montant que j'ai reçu en marchandises, plus ce petit bon de réduction que j'ai eu, 50 centimes sur les Capri-Sun. Voilà, donc c'est toujours ce prix. Si vous voulez vous abonner à la Degusta Box sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez vous désabonner dès le premier mois, je vous offre 5 euros de réduction. Enfin, je vous offre. La société offre 5 euros de réduction. Avec mon code de réduction, au lieu de payer 15,90 €, vous ne paierez que 10,90 €. Donc, imaginez tous ces produits pour 10,90 €, c'est quand même intéressant. Voilà, même pour 15,90 €, c'est quand même sympa. On reçoit notre Degusta Box. Pour moi, c'est comme si c'était des cadeaux. Voilà, c'est toujours très sympathique de découvrir des nouveaux produits, quoi. J'aurais jamais pensé à acheter. C'est vrai, hein, voilà, on va pas dire, bah tiens, c'est nouveau, on va peut-être pas penser à l'acheter parce que bon, là au moins on l'a d'office, au moins on goûte et puis on donne notre avis. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très 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 bonne journée ou bonne nuit, hein, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous à tous!